gods once were have long forsaken this place. Two clicks from the jump. There's no death to free from this war. No glory waits for you. Hi everybody, today we have Ricky from Woodman and Tornado from Miller. He is one of the best players from Miller. He plays some time with Daddy, it's a great player. He gives us some tips for the mouse, but the interview is on French, we will translate soon on English. Thank you. Bah après, y a pas vraiment de secret, hein. C'est vraiment de l'entraînement, j'ai envie de dire. Non, moi j'ai un clavier et une souris. Juste un clavier et une souris. Et est-ce que tu tapes ? Ouais, parce que en fait, les joysticks ils sont mal vus sur Planet Side. Enfin, il y en a qui marchent pas. Enfin, c'est un peu bizarre leur système. Et c'est mieux de jouer clavier et souris. Tu poses clavier. En fait, si t'as pas mal d'options dans le game setting pour avoir une bonne sensibilité, donc que t'aies un clav, enfin que t'aies un joystick ou une souris, bon ça change pas grand chose quoi. Le truc qui est important, c'est qu'il faut que tu trouves ta bonne sensibilité en fonction de ton jeu sur ta site, de façon à bien tirer et de faire le renverse. Tu vois ce que c'est le renverse? Ouais bah c'est ça. Donc il faut juste trouver le bon milieu entre le renverse et puis les tirs. Hein. Plus tu auras une sensibilité élevée, bah, plus tu vas faire des renverses, mais moins tu seras précis au niveau des tirs. Par contre, plus tu as une sensibilité basse, bah, plus tu vas avoir un meilleur tir parce que tu vas moins être agile. Par contre, ton renverse, il va être moins efficace, enfin, tu vas moins être réactif. Donc il faut que tu trouves le juste milieu. Quoi. Moi, pour donner un ordre d'idée, je me souviens plus combien j'ai de DPI sur ma souris. Je crois que j'ai 12 000, enfin, j'ai une souris, une grosse sensibilité. Et je joue avec 0,39. Ouais, dans sensibilité de véhicule aérien. Donc c'est 0,39, ouais. Moi j'ai une SteelSeries Sensei. Bon, c'est une souris, c'est pas une grosse souris quoi. J'ai dû la payer 50 €. Il y a peut-être un an. Bon après, moi j'ai longtemps joué avec une souris bas de gamme, genre 5-6 euros.
Quand j'ai acheté ma nouvelle souris, j'ai pas vu vraiment de grosses différences. La seule différence que j'ai vue, c'est j'ai un petit bouton central, un DPI switch, et pour le close range, et ben c'est pratique parce que quand j'appuie dessus, ben ça me permet de tourner beaucoup plus vite quoi. Mais sinon, bon, que t'aies une souris haut de gamme ou une souris bas de gamme, une fois que t'as trouvé ta sensibilité, je veux dire, ça changera pas grand-chose quoi. Il y a juste si t'as un bouton DPI switch pour le close range, là ça va t'aider, mais bon c'est pas énorme non plus quoi. Un VS4, mais c'est juste une outfit pour le fun. Enfin, moi je joue généralement solo en fait. Donc j'ai pas trop de suite. Hein. Bah, je suis principalement sur Miller, ouais. J'ai un petit compte sur Materson, je crois. Mais je dois être niveau 10, quoi. J'ai joué que de temps en temps, quoi. Vraiment, mon serveur, c'est Miller, en fait. I want payback. My